ABC News World Special. Remarkable scenes in Montreal today as hockey fans, hockey legends, and some political figures join together to give a final goodbye to Rocket Richard. Hello, I'm Peter Mansbridge in Montreal. Earlier today, CBC News World provided live coverage of the funeral service for Maurice Richard. We're going to show you some highlights now. I was helped in the commentary by former Hockey Night in Canada host Dick Irvin. Let's quickly go down into the steps in front of the Basilica. Here's Dennis Trudeau with Jean Béliveau. Peter, the great captain of the Montreal Canadiens. Yeah, this morning, your thoughts about your former teammate? Well, I'm not surprised to see so many people. I'm not surprised to, yesterday, seeing so many people at the Molson Center. I went there for a couple hours, see the family first, and standing behind the casket, watching the faces of all those who were walking by. I think it was a great idea by the family and by the Canadian organization to allow all those people to pay Maurice their last respect. And what you're seeing today is this has been going on for 50 years and more. I think a lot of people identified themselves to Maurice. They wanted to be like him. Some of us were fortunate enough to become hockey players. For 7 years, I sat beside him in the Canadian room. So I was in many battles with him on the ice. And he was our leader. What did you learn from him? What did he give to you as your leader in those days? Well, the determination. How he loves scoring goals. How he loves to win. And he had only one thing in his mind. In the fall was to finish first, and in the spring to win the Stanley Cup. So, like me, I'm 10 years younger than he is, and me and all the others, we the young one on the team, we had to follow because he was showing us the way to win. Now, Premier Bouchard, what is it about the Rocket you think that attracted so many people to this man? Maurice Richard's place in Quebec is more than hockey. It's beyond the performance of a hockey player. Of course, it is the basis of it, but that was the field where he demonstrated the great qualities, human qualities he has in him. In what way did he go beyond hockey? Because there was some kind of a collective transfer of people's hopes and aspirations in this man, in this only one man. And it was certainly quite a burden for him, but he discharged it very well. Why do you think so many Canadians are attracted to this creature? Because he was an example for everybody. You know, it's a sign that when you want to do something, you can do it. You know, he was, according to all the specialists, not the most skilled player. But I'm telling you that he was like a bulldozer. Between the blue line, the goal, and nobody could beat him. As Frank Mavlich told us earlier, you know, it was unbelievable. How did he affect you personally? Oh, it's a big loss. He was a friend, and I met him many times, and I was supposed to go fishing with him this spring. And unfortunately, we could not. But he was a very nice person, you know, and a very great companion, and BS, as you say. Thank you very much. Peter? The hearse has arrived now at the final block, and you can hear the reaction of the crowd.
spontaneous and very warm applause from, who knows, 5,000-10,000 people in the immediate area outside the Basilica, another 1,500 inside. Various limousines from the procession, once again, these are all containing family members, Richard family. All the dignitaries, all the guests, and all the fans who are able to get some of the public seats inside. The special flag that popped up in these last couple of days to put the Rockets number on it. The number 9, we haven't told that story. How did he end up with number 9? Well, he wore number 15 the first year he played. Those 16 games before he broke his ankle, and the next year the fellow had worn number 9 with Charlie Sands, and he'd been traded to the Rangers, and they were signing numbers at the start of the year, and his wife had just given birth to a baby daughter a day or two before the season began, and my father said to him, "How much did the daughter weigh?" And he said, 9 pounds. He said, "You might as well give you number 9 to celebrate the birth of your daughter." That's how he got it. And that became such a number, yes. You know, in hockey. I mean, obviously Gordie Howe had 9, and Gretzky talks about the 99 being somewhat reflective of the 9 that Howe wore. And, you know, everybody wanted a number 9. You know, Rod Carrier's wonderful story of every kid in Quebec running down the hill wearing the Montreal Canadiens jersey with the number 9. Everybody seemed to have the same number on. You were telling me before we went on the air the Kirk Muller story about Kirk at the All-Star Kirk Muller game. Story is a great one. Former captain of the Montreal Canadiens, now playing for the Dallas Stars, so he's involved in the Stanley Cup Final. When he was captain of the Canadiens, he had he was in the All-Star game. And, you know, he was on the eastern side, and they wear these special uniforms on All-Star Night, and he was wearing number 9, and suddenly the Rocket came up to him off ice and said, "You're a Hab, you're wearing number 9, don't make it a habit." Of course, they've retired the number here in Montreal. No one will ever wear that jersey again. In the center of your screen is Maurice Richard Jr., who I say has been a very able spokesman for the family throughout these last few days in what obviously was a difficult situation for him. And I'm sure at times it's been a difficult life being the son or daughter of a figure of this stature. It's not always easy. Federal, past and present.
tu as fait le tour de Paris. Et tu connais aussi les demandes de nos silences. Nous te prions pour Maurice Richard qui nous a quittés, qui trouve auprès de toi la paix to Mr. Richard, et la joie and ask that he avec have. Tout ce que tu appelles entrer dans ton royaume par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude la paix dans la foi et que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Au tout début de cette célébration, je veux exprimer mes plus vives condoléances à Sonia, aux enfants de Maurice, Huguette, Maurice Junior, Normand, André, Suzanne, Paul et Jean, à ses petits-enfants, à ses frères et sœurs, et à toute la famille avec qui nous sympathisons de tout cœur à la perte de ce grand homme. Monsieur Jean Chrétien, Premier ministre du Canada, et Madame Lise Thibault, lieutenant-gouverneur du Québec, Monsieur Lucien Bouchard, Premier ministre du Québec, et Madame, Monsieur Jean Charest, chef de l'opposition, Monsieur Pierre Bourque, maire de Montréal, distingués représentants et représentantes des divers paliers de gouvernement, des institutions publiques et des clubs de hockey, chers amis, frères et sœurs dans le Christ. Sisters and brothers in Christ, we are gathered here together to pay a last tribute to Mr. Maurice Richard and ask that he have rest and joy with God. Maurice Richard was an intense and passionate man, loyal to his values and convictions. When he left us, it was as if a loved one who had a place in everyone's heart was gone. At this time, when we say farewell, we are filled with hope and pray that Maurice is now entering the new life announced by Jesus. We pray that this celebration be a source of comfort and peace.
Prions le Seigneur. Seigneur, tu nous as créés pour la vie et la mort ne peut pas te résister. Tu as enraciné notre confiance en toi dans le mystère de la croix de ton Fils Jésus. Et tu nous as marqués pour toujours du signe de sa résurrection. Délivre notre ami Maurice de tout ce qui peut le retenir loin de toi. Fais-lui partager le bonheur de tes amis, les saints et les saintes, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. J'invite Julie ou Stéphane à donner la première lecture. Lecture de la seconde lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Fils bien-aimé, souviens-toi de Jésus-Christ, le descendant de David. Il est ressuscité d'entre les morts, voilà mon évangile. Si nous mourons avec lui nous vivrons. Si nous supportons l'épreuve, avec lui nous régnerons. Si nous sommes infidèles, lui restera fidèle. Moi, me voici déjà offert en sacrifice, le moment du départ est venu. Je me suis bien battu. J'ai tenu jusqu'au bout de la course, je suis resté fidèle. Je n'ai plus qu'à recevoir la récompense du vainqueur. Dans sa justice, le Seigneur, le juge impartial, me la remettra en ce jour, comme à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation dans la gloire. Parole du Seigneur. Amen.
et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Ne soyez donc pas bouleversés. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, beaucoup peuvent trouver leur demeure. Sinon, est-ce que je vous aurais dit, je pars vous préparer une place ? Quand je serai allé vous la préparer, je reviendrai vous prendre avec moi. Et là où je suis, vous y serez aussi. Pour aller où je m'en vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Acclamons cette parole de Dieu. My dear friends, we all remember when our friend Maurice Richard waved his hands at the forum on March 11th, 1996, when, while he was standing, he was being applauded. Moved to tears, he was asking the crowd to stop. As far as he was concerned, it was too much. It was exaggerated. He was not convinced, I'm sure, that he didn't deserve so much. But the crowd didn't stop applauding. They were expressing their respect and their admiration for this man. They, in their own way, were expressing their love. For a number of days, since Maurice has passed away, the same scene is playing over again in another way. This time, it's silence filled with emotion and filled with friendship. The man whom we admired, the athlete who amazed so many people by his feats on ice, this man is gone. His partner is near him. His children are surrounding him, his brothers and sisters, his many grandchildren are together near his coffin. His friends are there as well, and many of them. An entire people is there through TV, through their presence on the Place d'Armes in this church. The entire people is there to say farewell and to say thank you, Maurice. We may wonder how it is that Maurice Richard, who said himself that he was just a hockey player, that he was so admired. But this was an admiration that he didn't seek, and he did develop. Each of us undoubtedly has the answer to that question.
Personally, what I've always admired in this man was his willingness to be faithful to himself and to go to the very end of his passions. Passion pour son sport. Passion for his sport. Passion pour sa famille. Passion for his family. Passion, je passion crois, I believe, pour le peuple auquel il for the people to which he belonged. Sur la glace, on ice, the Rocket, was not a man for half measures, we all know that. Off ice, he remained loyal to his values and his convictions. He was real in all he did. He was so in discretion. Quite often, he was real in silence as well. He didn't need to say very much. His life spoke for himself. His eyes spoke. What a look. What ardor and intensity there was in that look. Poets have said that the eyes are the mirror of the soul. Dans le regard de Maurice, in Maurice's eyes, c'est tout Maurice, we could see the entire man. And nous ne l'oublierons pas, ce regard. We won't forget that look. Nous sommes présentement we're dans here une vie in a church pour dire adieu to say farewell to Mr. Maurice Richard. Pas n'importe quelle église. Not any old church. C'est la plus prestigieuse it's the most prestigious that we have in Montreal. Celle qu'il n'aurait sans doute peut-être pas choisi lui-même. A church that he may not have chosen himself because he was humble. Mais celle que nous but croyons this tout is à fait the church that we feel is justified to offer him. Il y a un peu plus d'un an, j'ai a bit over a year ago, I had an opportunity Maurice to speak at length with Maurice Richard. Over an hour, comme je viens de vous le dire, he was, as I've just expressed, et j'ai alors perçu and I then perceived that he was also a believer and that he believed in the religious values that had been given to him in his childhood. As loyal to his sport, loyal to his club, the Canadians, loyal to his family, to his friends, loyal to his people. He also wanted to be loyal and faithful to God. And this is why his funeral has taken place in a church. For this circumstance, we thought it would be good to read to you an extract from the letter of Paul to Timothy, who was his travel companion and his most faithful disciple. This excerpt speaks of hope and eternal life. Jesus Christ was resuscitated. If we die with him we will live. He also spoke to us of the battle to be waged. I've fought well. I've gone to the end of the race. I've remained faithful. I only have to receive the reward of the victor. Maurice Richard has waged his battles on ice and off ice. Il l'a fait honnêtement, he did so honestly avec toute la ténacité with the tenacity and passion that was his. Aujourd'hui, nous today, demandons pour lui we ask that he have rest and a joy with God. Nous avons également proclamé un texte qui we've also read an excerpt from the Gospel of St. John. An excerpt was also filled with hope. This reminded us that Christ wants us near him forever. Je pars vous préparer une place. I leave to prepare a place for you. I will return moi to take you with et me. Suis, and wherever I am, aussi you will be as well. Est-il possible que des is it possible riches, that the lives that have been so rich and generous, fervent and well-filled stop definitely at the moment of death? Is it impossible that death be a passage and that it leads to rebirth? Certains d'entre nous some of us le croient fermement, firmly believe and I'm one of those that death is a passage and that it leads to rebirth, to a new life. And those who believe now ask today for Maurice that he enter a new life announced by Jesus, who was the first to be brought back from the dead.
We do not know how one lives in the other life that we are hoping for. We, however, believe that it can only be a life full of happiness where our greatest hopes are fulfilled, as well as our most wonderful dreams. Maurice Richard, to rest, really loved to fish. In conclusion, I'd like to say that I hope and believe that he will not be bored for a long time. In heaven, there are the apostles who were also fishermen, excellent fishers. I see Maurice, who is also already meeting them. They will have a lot to talk about. Bon repos, Maurice. Have a good rest, Maurice. Good fishing. Prions maintenant avec confiance le Père Tout-Puissant qui a ressuscité des morts son Fils unique Jésus-Christ. Disons-lui, souviens-toi Seigneur dans ton amour de Maurice Richard. Viens-toi à nous donner les intentions. Qui nous a quittés, afin qu'il trouve place dans la maison du Père pour la vie éternelle, prions le Seigneur. Pour nous tous ici rassemblés, afin que notre foi soit plus forte que notre peine et que nos regrets ne soient pas sans espérance, prions le Seigneur. Ceux et celles qui cherchent un sens à leur vie, afin qu'ils découvrent dans la résurrection du Christ une lumière pour guider leurs recherches, prions le Seigneur. Pour ceux et celles qui souffrent et sont découragés, afin qu'ils ne se croient jamais abandonnés de Dieu, prions le Seigneur. Les hommes et les femmes de notre temps, afin que leur vie sur la terre devienne plus fraternelle et plus juste, prions le Seigneur. Pour l'Église, afin qu'elle révèle au monde que le Christ est le Seigneur des vivants et des morts, prions le Seigneur. Celles qui se dévouent au service des autres afin qu'ils ne perdent pas courage et trouvent la joie, prions le Seigneur. Dieu qui appelle toute l'humanité à partager ta vie, accueille notre prière
afin qu'elle serve au salut des vivants et des morts. Nous te le demandons par Jésus ton Fils, car il est notre frère près de toi pour les siècles des siècles. Amen. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, de mon péché. Purifie-moi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Prends en pitié, Dieu très bon, ton serviteur Maurice Richard, pour qui nous te présentons le sacrifice de louange, que cette offrande de pardon et de paix lui obtienne de ressusciter pour la vie éternelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très bon, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour celles et ceux qui croient en toi, Seigneur,
La vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi, avec les anges, avec les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Vraiment saint, Dieu de l'univers, toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit, il la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi, nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue à la croix. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église
et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étant au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Jean-Paul, et notre évêque Jean-Claude, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Souviens-toi de notre ami Maurice que tu as appelé auprès de toi. Puisqu'il a été baptisé dans la mort de son fils, accorde-lui de participer à sa résurrection le jour où le Christ, ressuscitant les morts, rendra nos pauvres corps pareils à son corps glorieux. Souviens-toi aussi de toutes nos sœurs, de tous nos frères défunts, de toutes ces personnes qui ont quitté le monde et dont, Seigneur, tu connais la droiture. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, quand tu essuieras toutes larmes de nos yeux, en te voyant, toi notre Dieu, toi, ici, tel que tu es, nous serons semblables éternellement, et sans fin nous chanterons ta louange par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Rempli de confiance, parce que nous savons que notre Père du ciel nous écoute toujours, invoquons-le avec une certitude filiale et disons cette belle prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Thank you.
Heureux sont-ils, les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ me garde pour la vie éternelle. Amen. Pour la communion, vous avez à rester à votre place. Il y aura des agents de distribution de communion ici en avant, au milieu de l'église et dans les jubés. Alors attendez que quelqu'un se place à un poste de communion avant de vous approcher. Cette communion est offerte évidemment aux catholiques, à ceux qui ont l'habitude de communier. Que le sang du Christ me garde pour la vie éternelle. À venir faire son témoignage. Bonjour à tous. Il me fait plaisir, au nom de la famille de mon père, ma famille, de vous dire quelques mots. Premièrement, j'aimerais demander à tous d'accepter le départ de Maurice, mon to père. Accept the passing away of Maurice, my father, with joy, because I can assure you that he had a life une plénitude de plaisir et de joie, which was full of pleasure and joy. He's had a phenomenal career. He had extraordinary friends. Il y a eu de l'amour. He's experienced love that we've felt over the past 2 days. Rempli d'émotion. 2 days filled with emotion. Alors j'aimerais que on se dise que Maurice s'en va dans l'allégresse. I would like to say that Maurice is leaving us in joy and happiness. We don't have to be sad, and I'm sure that he saw what happened from up on high in the past 2 or 3 days. He must be quite proud. Deuxièmement, secondly, j'aimerais souligner le I would like to emphasize the public's testimonial. On est dans le temple de l'amour. Presently, we're in the temple of love. Yesterday, I was under the impression that we were in the kingdom of love. On a vu au-dessus de 100 000 personnes circuler à côté de there were 100,000 people that came to visit my father's body, and all we were feeling was love, was emotion. Et nous autres, la famille, les gens and we,
The family were asked if we were tired. Yes, we were tired. But it wasn't a physical fatigue. We were just empty of emotion because the public gave us an ultimate testimony of the love they felt for him. I don't want to be too lengthy, but I'd also like to take this opportunity to thank everyone who's helped us over the past few days. We were helped from all sides. It was greatly appreciated. I could give their names, but I'd be afraid of forgetting some of them. So on behalf of the family, I'd like to thank everyone. I'd like to thank the family, and I'd like to thank my mother, who's up in heaven, who's looking at this with a smile. And I'd like to thank Sonia, who replaced my mother with my father. So thank you, everyone. I'd now ask Mr. Paul Aquin to give his testimonial. Éminence, Your Eminence, je ne me retiendrai pas de dire notre ami. I would like to say that my friend, for whom we're very proud to see you are celebrating the ceremony, membre du clergé, a member of the clergy, who are in charge of this wonderful basilica, distinguished guests, toute la famille. La grande famille des Richards, the whole family Sonia, of the Richards, Sonia. Sans oublier, ça m'a grandement impressionné hier. I was greatly impressed yesterday by the 100,000 people that came, not only to pay tribute to their idol Maurice, but to do so with extraordinary respect, and I would even say with love, to touch and salute their idol. Il y a 10 jours, 10 days ago, sous l'invitation de Sonia, on an invitation from Sonia, j'étais rendu visite à mon jumeau, I went to visit my twin at the Hôtel Dieu in Montreal. J'étais bien averti dans le stationnement de ramasser tous mes nerfs. I told myself that I had to be calm so as not to break down during what I saw would be a difficult visit. And this is what happened. Devant Maurice, in front of Maurice, who was suffering, was somewhat agitated. J'ai manqué d'air. I suis allé dans le corridor, ran out of air. I went back to the corridor to try and get my breath back. And I will tell you exactly what I told God. I even asked him to come and get him as quickly as possible because I didn't see such a passionate man to be lessened and to live for the rest of his life depending on everyone. Aujourd'hui, je tiens le remercier. Today, le grand patron d'en haut, I'd like to thank the big boss up above who's answered our prayers, Sonia's and I, because we were praying together, and he came to get them. And if you will allow me, I'd like you to join me in a prayer that I really appreciate and that I only use in great circumstances, and that goes as follows. Lord,
Ajoute un couvert à ta table. Add a setting to your table. Tu reçois aujourd'hui un invité Today, dessus. You're receiving an extra guest. Seigneur, ajoute un Lord, couvert à ta table. Add a setting to your table. Tu reçois You are receiving a renowned Seigneur, guest. Ajoute un couvert Lord, à ta table. Add a setting to your table. Maurice, a été fidèle Maurice aux traditions de son temps. Was faithful to the traditions of his time, faithful to his family. He all loved them. He loved young people. Reçois-le bien chez toi. Welcome him Car in your house because he was everyone's friend. I also know that Maurice had many good English friends all around Canada, in the United States, in England, in Europe, and I would say without exaggerating, all around the world. I'll be short, but in your name, I will send a message to Maurice. In your name, I would say, Rocket, enjoy. Enjoy as much as you can. Et je dirais, en français, Maurice... And I would say in French, jouis de ce Maurice, respect, de ce repos éternel. Enjoy this peace and this eternal rest. We hope that this is what you will have with all our heart. Thank you. Mon ami. J'inviterai maintenant Madame Ginette Renault qui va nous dire à sa façon les hommages qu'elle doit à son ami Maurice Richard. Je pense que pour rendre un dernier hommage à Maurice Richard, mon ami, to my friend Maurice Richard, je vais lui offrir ce que je sais faire le mieux au monde. I will do what I do best in the world.
ce qui nous l'est. Chers amis, avant de nous séparer, nous allons dire ensemble un dernier adieu à notre ami Maurice. Avec respect, avec affection, nous le confions au Seigneur dans l'espérance de nous retrouver un jour lorsque l'amour du Christ, victorieux de tout mal, triomphera enfin de la mort. En signe de considération pour notre ami défunt, nous offrirons d'abord l'encens, puis nous bénirons son corps avec l'eau, l'eau même avec laquelle nous faisons les baptêmes, en signe de la foi qui a grandi en lui depuis le jour de son baptême. Recueillons-nous un moment en pensant à ce qu'il représente pour nous, à ce qu'il est pour Dieu.
respect pour notre ami défunt Maurice, voici cet encens qu'il monte vers le ciel comme une prière. Et nous croyons que tous nous renaîtrons dans une ville nouvelle par la résurrection. En signe de cette foi, je veux maintenant bénir le corps de Maurice, au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Fortifie notre foi et notre espérance, tandis que nous conduisons vers son dernier repos, celui dont tu sais tout le labeur, tout le travail accompli sur cette terre. Nous t'en prions, que tout ce qui était saint et grand pour lui soit respecté et préservé, que lui soit pardonné ce qu'il a pu faire de mal, et que soit reconnu ce qu'il a fait de bon. Par Jésus ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et l'Esprit dans les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, chers amis, que toute marque d'affection, que tout geste d'amitié que vous donnerez soit pour vous le signe de cette paix qu'ensemble nous avons cherchée. Allons maintenant dans la paix et dans la joie du Christ. J'inviterai M. Maurice Richard Junior à s'avancer et M. Normand Richard Fils, vous pouvez vous asseoir. De la paroisse Sainte-Madeleine, Sophie Barra de Montréal, née le 4 août 1921 et décédée à l'Hôtel Dieu de Montréal le 27 mai de l'an 2000. Le défunt était fils de Onésime Richard et de Alice Laramé, et l'époux de feu Lucille Lorchet.
Le corps sera inhumé au cimetière Saint-Laurent de Ville-Saint-Laurent. Vous appelez correct?
by applause. And again now, as the body of the rocket is brought outside the Notre Dame Basilica. Those were the highlights from earlier today of the funeral service for Rocket Richard. Thanks for joining us. I'm Peter Mansbridge in Montreal.